Alors, les infirmières et leur examen d'admission, je vous explique un peu rapidement. Près de la moitié des étudiants en soins infirmiers qui passaient l'examen pour la première fois en septembre 2022 ont échoué, près de la moitié. Deux mois plus tard, il y a une enquête qui a été ouverte. On a conclu que des failles étaient très claires, des questions étaient mal faites. L'Ordre prétend que la pandémie était en cause. Écoutez ce qu'a dit Maître André Gariepy, commissaire à l'admission aux professions. On ne peut pas dire que les gens n'étaient pas compétents et l'examen lui-même ne génère pas les réponses dont on a besoin d'un examen. J'ai recommandé dans mon rapport que l'autorité publique s'investisse dans tous les chantiers qui concernent la profession infirmière. Bon, Maître Gariepy qui est avec toi, Mario, aujourd'hui. Sujet que je disais que tu as suivi beaucoup, beaucoup. C'est vraiment grave. Là. Comment qualifier le comportement de l'Ordre? Monsieur Gariepy est pas tendre avec l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Et d'ailleurs, l'Office des professions s'en est mêlé. Donc, l'Ordre des infirmières et infirmiers est quasiment, d'une certaine façon, en tutelle. On les oblige, on les surveille, on les oblige à revoir leur examen. On leur reproche, parce qu'il y a un examen, il y en a eu un en septembre, ça fait deux semaines. Celui-là s'est fait encore sous l'ancien régime de l'examen qui a causé tant de problèmes. Mais moi, bon, tant mieux pour l'avenir, là, si on peut corriger la situation. Mais moi, quelqu'un doit répondre de ça. Parce que moi, je les ai eus, les témoignages, je les ai lus, je les ai entendus. Là. Il y a des jeunes infirmières qui ont fait leurs études, qui se sont découragées, qui ont raté l'examen deux fois, qui ont changé de profession, qui ont abandonné la profession. Pendant cela, dans nos hôpitaux, on s'arrache les cheveux parce qu'on manque d'infirmières. Alors, c'est très, très grave ce qui est arrivé. Et là, c'est pas de son, pas de lumière du côté de l'Ordre des infirmières. Mais quelqu'un va devoir répondre de ces erreurs graves. Et moi, ce que j'entends dans l'entourage du premier ministre, c'est que tout est sur la table, du limogeage jusqu'à la mise en tutelle pure et simple, complète de l'organisation. Tellement c'est grave. Mais écoutez, mettez-vous dans les souliers des gouvernements, quels qu'ils soient, là, qui doivent gérer la pénurie de personnel infirmier. Mettez-vous dans les souliers des gens de Sainte-Terre dont les urgences ont été fermées parce qu'il manquait d'infirmières. Mettez-vous dans les souliers des gens dont l'intervention chirurgicale est reportée, ça arrive à chaque jour parce qu'il manque d'infirmières. Et là, l'Ordre qui décide que désormais, qui fait tout, là, qui manœuvre au fond, parce que c'est le fond de la question, manœuvre pour que désormais il faille un diplôme universitaire, non pas que collégial. C'est l'Ordre qui a décidé ça et qui manœuvre en conséquence. Imaginez comment tout ce monde doit se sentir. Ouais. Donc, Mario le disait, c'est grave. Là. C'est grave. Silence radio à l'Ordre, hein, Emmanuel? Bien, c'est là. Non, attention. Ils accueillent avec ouverture. Ils vont faire preuve d'ouverture. Ils viennent de se faire comme taper ses doigts, rabrouer. Ils feront preuve d'ouverture. C'est comme si on se moque beaucoup là, des gens là, qui parlent avec leur ressenti hein, de nos jours. Bien, c'est un peu comme ça, finalement, que fonctionne l'Ordre. Alors, ils veulent protéger le public, mais ce qu'ils pensent, dans le fond, là, c'est que c'est pas bon, un DEC. Eux autres, ils n'aiment pas ça, donc on va s'arranger pour faire couler les candidats du DEC. On leur dit que leur examen n'est pas bon. Mais on va s'arranger pour mettre en place un nouvel examen qui va faire couler les filles du DEC. On leur explique que l'examen est mal fait. Ils disent, non, nous, on pense qu'il est correct. Sophie, l'examen, là, ils n'ont jamais fait d'analyse pour voir s'ils testaient les bonnes notions, si c'était un examen qui permettait vraiment de valider la compétence d'une infirmière sur le terrain québécois. Je veux dire, ça ne s'invente pas. Et moi, je partage l'opinion de Paul. Le gouvernement va être obligé d'intervenir parce que c'est dramatique pour ces infirmières-là. Ouais. Mais c'est aussi gravement inquiétant pour le public. Pour la population. C'est la job de Mario, un petit mot encore? Ouais, j'ajouterais quand même que le ridicule de l'affaire, des affaires comme ça sont parfois prouvées ridicules. Dans ce cas-ci, des infirmières, en fait, des gradués, on sont allés passer l'examen de Colombie-Britannique, puis pas une ou deux, là, des centaines, de Colombie-Britannique et de Nouveau-Brunswick. Et en passant cet examen-là, ils ont passé, parce qu'ils étaient compétents, ils ont réussi l'examen normal des autres provinces, ce qui les a amenés au statut d'infirmière. Et comme il y a une entente entre les ordres, entre les provinces, imaginez, peuvent pratiquer au Québec. Là. Dans le fond, c'est un peu les débrouillardes qui ont réussi à contourner le système et qui peuvent travailler comme infirmières. Mais ça en dit long. C'est quand même ridicule là, comme situation. Là. On va en suivre ça de très près. Maintenant, toujours intéressant de se consoler en se comparant. Parfois, notre collègue Raymond est allé voir ce qui se passe à Toronto là, en termes de crise du logement, d'itinérance. La mairesse de Toronto est jalouse de Montréal, Paul. Je ne sais pas si Valérie Plante
pourrait peut-être faire un échange avec elle, notamment lui faire parvenir quelques centaines de cônes orange en échange de déclarations flatteuses pour Montréal. Mais c'est vrai qu'à Toronto, Vancouver, bon, Emmanuel, tu es en mesure de le savoir plus que moi encore, Vancouver, mais Toronto, le coût de la vie est exorbitant. Et Toronto est aux prises maintenant avec carrément une crise du logement, certes, mais l'arrivée massive de migrants et l'immigration qui ajoute encore de la pression dans un marché qui ne suffit pas à la tâche. Oui, oui. Manuel? Moi, je veux pas cracher dans la soupe, là, mais je pense que ça fait longtemps que la maire de Toronto n'est pas venue à Montréal, en tout respect. Là. c'est sûr qu'à Montréal, on n'est pas rendu avec des tentes au coin de la rue Sherbrooke et de la rue Peel, là, comme moi, j'ai vu à Toronto, là, une tente carrément sur le coin de la rue au passage piéton. Mais ceci étant dit, la situation s'est gravement détériorée à Montréal. Et je pense que ce qui sauve Montréal, cependant, c'est que le marché de l'immobilier, aussi grave soit-il, est moins en crise qu'à Toronto, qui est rendu une des villes les plus chères au monde, Sophie. Exactement. Ben oui. Moi, oui, c'est le point qu'il faut faire. Vancouver, quand on se compare à Vancouver et Toronto, on se compare aux villes où le logement est le plus inabordable sur Terre. Et si on ne fait rien à Montréal, ben, c'est là qu'on s'en va. Là.